Bon, c'est parti pour la brocante de Cardinet. Je suis accompagné de... Les Minute Game. Toujours là. Elle me suit. J'en peux plus, au secours. Appelle la police. Elle me suit. J'appelle la police. Arrête tout de suite. Go! Il y a un manga. Il y a le parrain, après c'est quoi qu'il y a en dessous? NBA. Et là en dessous, attention, surprise. Celui-là, vous faites à combien? 3 euros là. Celui-là, c'est le Harry Potter. Oui. Salut, c'est parti pour ce compte rendu. Alors là, on est à la porte de Pantin, vous voyez, c'est une ambiance gay. Mais alors, gay luron, hein, vraiment, que des lesbiennes et des gays. Bon, les lesbiennes, ça va, elles sont mignonnes. Et voilà quoi, après le reste, bon. Présentation des jeux que j'ai récupéré. Donc, Minute Game, on a été dans le 17ème, on a le 16ème au début, il n'y avait rien. Dans le 17ème, on a trouvé quelque chose, j'ai demandé s'il avait des jeux, il a dit oui. Il a ramené, je m'attendais à un gros lot, et qu'est-ce qu'on a eu? Bah, deux jeux. Et un loose en plus. Et puis Minute Game, elle en a pris un, vous regarderez son compte rendu pour savoir lequel que c'est. Et moi j'ai pris celui-là, le Zelda A Link Between the World, que j'avais en boîte, récupéré en boîte il y a quelques temps en grenier, donc très content d'avoir récupéré ça. Et en même temps, j'ai récupéré une manette, bon, une télécommande pour la Freebox, parce que j'ai reçu ma nouvelle Freebox et j'avais plus la télécommande. Donc du coup, bah, une petite télécommande que j'ai payé 5 euros. Ah, et c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Coucou! Virez-moi cette merde! Attention. C'est quoi cette merde? Saloperie! Saloperie! Donc j'ai payé cette manette 5 euros. Putain, il y a des saloperies en ce bled là, ça craint hein, ici. Hein. Et ça, j'ai payé 2,50€. Et du coup, l'autre, elle a payé 2,50€ l'autre jeu, Netgame. Donc ça fait 5 euros le tout. Donc 2,50€ celui-là et 2,50€ l'autre. Et on a été à Bobigny, on a fait plein de petits brocantes. On a été à Bobigny et du coup, on a quand même trouvé quelque chose. Moi j'ai récupéré le petit Pokémon Ranger Shadow of Alma. Minette a récupéré tout un lot de jeux de 3DS et DS. Donc celui-là j'ai payé 4 euros, négocié a été à 5. Et le dernier jeu que j'ai pris, c'est une découverte, hein, je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu PS4, Earthdown. Earthdown, dire la musique. Earthdown. Donc vous voyez, il y a même une publicité Final Fantasy Season Pass. Donc il doit y avoir un code, je pense. Ça. Ouais, il y a un code. On ne vous montre pas parce qu'on peut, on sait jamais s'il est encore bon. Et dedans, bah, il y a le CD. Bon, bah, il est un petit peu sale, mais bon, ensemble, c'est pas trop mal. Et ça, bien sûr, peut-être que ce soir, ouais, je vais le faire en un gameplay de ce jeu. Enfin, ce soir, du coup, ça sera ce soir pour moi, mais du coup, ça sera plutôt pour vous. Hein. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai l'esplayé depuis un moment. Alors, il y a multilingue. Il y a l'anglais, le français et l'espagnol. Donc voilà, c'est le Earthdown et c'est numéro 5087. Donc à découvrir en let's play sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans une ambiance assez lesbienne et gay. Encore une saloperie qui arrive là, c'est quoi cette saloperie là? Viens moi cette merde là. Ah, saloperie. Ah, putain. Ah, dégage de là toi. Putain. Donc voilà, ambiance bah cool hein. On est retourné dans les années 60. Voyez. Vraiment ambiance 60. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao. Ciao. Ah.